Bonsoir à tout le monde. Jodi a nou sur chaîne YouTube ça qui c'est Haïtien 100%. Chaîne YouTube ça, son chaîne, c'est juste pour nous capable informer ou et montrer ou quelques bagages que vous-même ou pas arrivé qu'on est. Alors jodi a, et mesdames et messieurs, nous voulons un thème. C'est bien circulaire 113 BNCA. Là, nous sommes capables et BRH là. Circulaire 113, BRH là. C'est là nous parler. Banque de la République d'Haïti. Circulaire 113. Qui ça, circulaire 113, ça dit? Pour qui ça, Jodia, sous chaîne 100% haïtien, qui m'appelle Vito Konya. Abonnez, si vous pouvez abonner. Abonnez et puis, pesez petite cloche là pour qu'à toujours et notifier deux informations nous yo. Là, mesdames et messieurs, nous voilà ouais, qui ça le dit. La circulaire 113 là, l'idée dédiée après, mais prêt ça c'est prêt qui pour aller dans l'agriculture. D'accord, dans l'agriculture, mais c'est pas toute bagaille que vous voulez planter, il y a pour la circulaire 113 là appliquée. Il y a des produits spécifiquement li appliqués pour vous-même. Nous voilà ouais, point qui est important là, c'est nous capable c'est 10 pages liées, mais nous voilà le traiter sous toutes. Nous voilà le premier point qui est plus important, ça est important pour vous. Donc, ça, c'est circulaire 113 là, mesdames et messieurs. Alors, nous voilà commencer. Voilà, nous commençons. Là, le numéro 1, il dit l'intégration et l'organisation des espaces agricoles en zone franche, durement délimitée et autorisée. Là, c'est très important, hein? Espace agricole, ça veut dire l'intégration et l'organisation des espaces agricoles. Zone franche, ça veut dire, moun ki vle fè zone franche, surtout dans zone franche. Mais là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moun ki vle fè mon ti, mon carotte, moi-même, vle travail, bien sûr, plutôt si ou aller, plutôt l'argent pour lui, mais c'est pas ça, zone franche, là, c'est ça veut dire du et délimitation est autorisée. Là, lui-même, faut à délimiter ou par l'État, autorisé par l'État, ou bien c'est en coopérative ou à faire des ensemble monde qui gagne terreau parce que mon n'a droit qu'on chaos, on l'autre chaos, on l'autre chaos, on l'autre gagne de chaos et puis vous mettez ensemble. Alors là, ou même on vient de 8 chaos terre, ou voulez travailler là, ou voulez faire un projet qui est les zones franches, mais bien délimitées et autorisées. Là, il faut gagner, c'est premier ça, c'est que circulaire 113 ça, de la BRH l'a mandé. Après ça, l'installation, les travaux d'aménagement ou d'amélioration des infrastructures essentielles au fonctionnement adéquat des exploitations agricoles, forage des puits, intégration et drainage, arrosage des zones franches agricoles. Là où déjà qu'on est, l'installation là, combien va le prêt là, après on vient de terre qui est disponible. Et puis, combien va le prêt là, faut gagner dans zone là, faut identifier ça, mesdames et messieurs. Qui coûte au café forage, puis on va pas prendre terre par exemple, ça va me désoler. Oui, ça va me désoler. Si on allait, ça va me désoler, on le fait en zone franche, non, ça va me désoler agricole et de l'eau. Donc on est, ça va me désoler, oui. Sauf que puis on a besoin de l'eau, mais de l'eau très fort. Son côté, de l'eau pas facile, lui-même, non, ça va me désoler. En exemple, on prend, ça va me désoler, mesdames et messieurs. Si on connaît l'autre zone, côté de l'eau pas facile du tout. En Haïti, nous avons fait une zone en souche, il y a des côtés en souche, tout. Gloire, pas facile. Même quand le président Jovenel Moïse lui-même, il a résolu le problème ça avec pompe pour Mounio. Alors, mesdames et messieurs, et puis drainage, tout. Et puis arrosage, il faut penser à ça. À ça, il faut des zones franches. Ça fait où c'est l'eau, on va l'élever. Et puis, on dit où c'est l'eau qu'on l'élever. Bon, on a 20 carottes. On a 20, 30, 40, 50 000 carottes même, on l'élever. Et puis, on allait. Voilà. L'acquisition et l'installation, les travaux d'aménagement ou d'amélioration des machines et d'équipements agricoles. Pour ça, on m'a dit là, il faut nous prendre en compte. D'accord? Il faut nous prendre en compte. Parce que les gens qui doivent faire un projet agricole, ils doivent lui-même, c'est qu'on n'est pas qu'on qui ça pour le faire. Ils doivent avoir des gens qui ont terre, qui doivent avoir terre. Il y a des gens qui n'ont pas terre, qui n'ont pas rien du tout. Mais lui-même, il veut faire un projet, il a une vision, il veut mettre le campé, mais lui-même, il ne sait pas comment. Alors, vidéo ça c'est pour lire pour qu'on voit circulaire 113 BNCA. L'on va le monter projet, on va monter pour qu'on monte
avec base ça. Vous avez dit projet là, 5 points ça, il faut le gagner là-dedans. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Sous vos projets, on va le monter là. Vous avez besoin de prêter un compte dans BRH ou bien la banque à travers des circulaires 113 là. Il faut gagner 5 points ça là-dedans, mesdames et messieurs. OK? L'acquisition, l'installation, les travaux d'aménagement ou d'amélioration et l'exploitation d'usines ou d'unités de conservation et de transformation des denrées ou des produits agricoles. Là où il y a acquisition hein, et puis l'installation. Les travaux d'aménagement, d'amélioration, comment on va le faire? L'acquisition, qui sont le besoin d'acquisition? Par exemple, sur une terre. Par exemple, tu as fini de délimiter ou arranger avec l'État, ou avec groupe Moun, ou arranger là où aller, c'était DGI, Ibo accepte, t'es l'État, t'es Moun, bon, ou fini de tirer. On bon, donc, 300 carreaux de terre. On va le consommer 300 carreaux de terre. Qu'on y a là, qu'est-ce qu'on va faire? Acquisition. L'acquisition, c'est achat. Achat machine. Yo. Qui machine on va l'acheter? Qui gens on va l'acheter machine? Yo. Et puis, installation, ça. Soit va l'acheter pompe. Qui pompe yo y? Qui j'ai installation, on va le faire. Travaux d'aménagement, vous avez dit. Et au papa, il finit acheter, mais ces machines n'ont pas éternel. Pas grand rien qui est éternel, mesdames et messieurs. On va le besoin de faire d'aménagement là-dedans, des travaux. D'amélioration de machines, d'équipes agricoles telles que tracteurs, charrues, broyeurs, pompes et semoirs, moissonneuses, faucheuses. Tout ça, faut acheter et puis il faut gagner des réparations, il faut gagner des pièces de rechange. Son papier, ou abdi, si vous voulez acheter un tracteur, qui tracteur vous voulez acheter? Qui marque tracteur la pi? Tracteur ça, combien de temps la calabouré? Qui ça la cabarou? Charrue, ou a besoin, on va le mettre là-dedans. Quel type de charrue? Parce qu'il y a plusieurs types de charrue. C'est tout ça, oui, pour prendre en compte. D'accord? Et puis, l'acquisition et l'installation des travaux d'amélioration, l'exploitation d'usines ou d'unités de conservation et de transformation des denrées ou des produits agricoles. Là, par exemple, un exemple très clair. Dans le projet, là, si vous le faire, si vous voulez, par exemple, si vous le faire, qui produit, vous le faire, c'était avocat, on va le faire, zabouka. On va le planter, zabouka. D'accord? Lorsqu'on récolte les avocats, on va dire qu'on y a là, les avocats, on va le faire juste avocat. On va faire juste avocat, je voulais. Technologie avancée, on a un ingénieur, tant que moi-même, qui parle avec vous là, on a un ingénieur en alimentaire, qui compte bien, très bien, on va faire juste, si vous voulez faire, vous voulez faire pommade avec les avocats, par contre, ça a là, nous, notre transformation. Vous plantez les avocats, vous dites les avocats, dans l'aide fin faire, c'est pommade, ma femme. Voilà, mais il faut des machines qui pour faire, c'est là à nous. L'exploitation d'usines et puis d'unités de transformation et puis denrées de produits agricoles. Par exemple, vous dites, on va planter pistache. C'est très bien. Après, le fin récolte de pistache maintenant, zone fait ça, c'est mamba. Mais il faut un moulin. Qui pour faire mamba, quel type de moulin? Qui mamba ou quoi le favel? C'est là, oui. Numéro 4, là, c'est très important. Après, la plantation, ou fin récolte là, qui sont quoi le favel? Conservation à tout, comme on va le conserver. Ah, c'est pour circulaire 113, BRH là, mesdames et messieurs. Mais c'est dans BRH directement qu'on va le prêter? Non. Circulaire 113, BRH là, dépendamment des produits là, ou quand sont l'autre banque qui prête au local, dans BRC, ou quand sont les banques, ou quand sont les banques, quand sont l'autre banque. Ça, c'est eux-mêmes qui prêtent au lieu, mais c'est à travers circulaire 113 là, mais c'est BRH qui a validé le pour. D'accord? Et puis l'installation, les travaux d'aménagement ou d'amélioration, l'exploitation des systèmes d'élevage. Là, nous avons élevage, volage, mammifères, poissons. Et la production des produits dérivés d'œufs, fourrures, les produits laitiers. Là, nous avons agriculture. Par exemple, si on dit, bon, moi-même, je ne veux pas les planter, mais moi-même, je veux les poulailler. Mesdames et messieurs, si vous voulez bon poulailler, même bagaille, même processus. Il faut qu'il y ait rien, il faut bien délimiter. Il faut bien délimiter. Pour le bon poulailler, qui est qui pour besoin, qui machine a besoin. La poulailler, comment on va pour lui manger, la qui va manger. Pondre des yeux, qui côté y a le pondre, et puis qui côté pour lui le pondre, qui type de manger va bailler, et soit va le fait pour la. Qui soit besoin là pour faire petit poulio,
Ouais, toute machine ça, c'est machine ou a besoin pour acheter. C'est même bagaille là. D'accord? Et les poules ça au fin gras. Ou a vendu tout vivant ou bien ou a touye, soit touye na ki machine ou a touye. Comment avoir le conserver, il faut une chambre froide. Ouais. Alors tout ça, il faut bien définir. Chambre froide là ou bien congélation, c'est dans le produit laitier ou à pied, mais je même bagaille là. Au fin d'un bœuf là, on va le manger, il faut que le terrain côté pour bœuf là, ya. On va le bœuf là manger, l'être là qu'on y a, comment avoir le prendre l'être là dans le bœuf là. Comment tirer le bœuf là. On va trop projet comme ça, zone fraîche, on va tirer là, mais il faut des machines pour gagner la machine. Il faut faire installation, il faut expliquer machine, énergie, il faut prendre tout ça en compte dans le projet à monter. Ça, c'est ça. Ça, c'est point ça, mesdames et messieurs. Il faut prendre, il faut mettre. S'ouvrez le projet là pour accepter. Là, nous avons le numéro 6 là. Je dis, la production de tout type de denrées agricoles et de produits d'élevage, de pêche, d'aquaculture et de sylviculture. Apiculture et ainsi que de produits issus de tous autres secteurs afférents à l'agriculture et à l'agro-industriel. Là, je vais faire commerce machine, je vais faire commerce durée, acheter durée et Miami pour venir en Haïti, on va même besoin d'appliquer circulaire 113 là, ou pas pour être au lit. C'est pour ça fait agriculture, nous dit la commune qui veut rentrer dans l'agriculture, élevage. Même il y a prêté yo comme ça l'agro-industriel monde qui veut aller dans transformation il y a prêté yo comme ça à travers circulaire 113 là c'est pour s'allier mais si vous voulez l'acheter en Chine pour venir en Haïti yo pas prêté parfois on doit dire yo pas prêté mon comme la banque oui yo prêté mon comme la banque c'est appliqué ça n'a pas dit là yo circulaire 113 là on doit réviser on doit poser quelques questions parce que le français c'est pas nous tous qui tentons le français on va venir parler français pour avoir le prêté on comme la banque. Écris en bas vidéo ça qui te commentaire. Sous besoin, ma bonne information, ça me capable. Basé dans le circulaire 113 là, je vous explique. Pour capable aller là-bas, pour capable faire prêt. Mais il faut que c'est Haïti. Ou que vous dans les États-Unis, vous voulez investir à Haïti, bon, pas un problème. Vous allez, il y a prêt. Alors, mesdames et messieurs, nous avons un point 7 là. Il y a dit l'offre de services agricoles tels que le labourage, la vente d'intrants, des semences et des matériels et d'équipements agricoles, la commercialisation des services de récolte et des post-récoltes, et celle des services de conditionnement des denrées agricoles, ainsi que leurs services de logique et de logistique agricole, de consultation, de standardisation, de marketing, de coûtage, d'assurance. Lorsqu'appliqué aux activités agricoles, agro-industrielles et agronomiques. Mesdames et messieurs, là, où dit que ça finit une terre? Premier, ça me dit, c'est localiser terrain, c'est premièrement, c'est terrain. Ça fait un processus qui pas tellement coûte, c'est un travail qui est tellement facile. Un travail qui coûte, qui est rapide. C'est des projets à long terme, c'est des gros investissements, ça m'a dit. Premièrement, pour identifier terre. Pour faire contrat, c'était un partenaire, si vous voulez faire partenaire avec l'autre monde. Voilà. C'est un partenaire, vous voulez faire avec l'autre monde. Là, pour identifier terre. Si vous avez trois cas, j'en ai dit l'avant, mais vous avez trois, l'autre là, trois, vous mettez ensemble. Vous ne pouvez pas faire l'embauche. Son bagage, il faut aller devant notaire. C'est pas acheter, on va l'acheter terre maintenant, c'est pas pour le prendre, mais son contrat. On va aller devant notaire, on va aller tel état, on va aller DGI, notaire. Puis identifier terrain pour appentage, puis voir combien lié. Ouais, tout ça, c'est un processus qui est long. Et puis après, pour identifier qui produit ou quoi le faire, là, Dani, après, pour mettre qui machine ou a besoin, labourage, ça te va avant pour préparer le terrain, après, pour planter. Lorsqu'on prépare le terrain, machine qui a de planter, lorsqu'on planter, machine qui a parlé de récolter, lorsqu'on récolter, machine qui a parlé de transformer. L'offre transforme les produits agricoles là, ou a besoin de faire des marketing, machin, on va le mettre sur machin. Logistique agricole là. Qui va pas le bailler? Standardisation. Qui va pas faire les standardisations pour vous? On y a là, ça va venir, ingénieur en alimentaire. Moi, Haïti, je ne sais pas si ingénieur en alimentaire. Peut-être moi-même, c'est seul ingénieur en alimentaire qui est haïtien que moi, je compte peut-être moins. Mwen kon dokte chansi men ki se veterinè, mwen kon apil veterinè, mwen kon apil agronom men,
et agronome, ingénieur en alimentaire, parce qu'on est là, faut de ta jeune, un ingénieur en alimentaire qui compte tout le processus de standardisation, d'étiquetage, de processus, de tout ça qui est capable de vidéo. Là, on peut contacter moi, écrire sur besoin de ça, on peut capable de vidéo. Pourquoi il y a quelqu'un qui consomme ces moulatures, qui a une grande entreprise de transformation en Haïti, qui est dans un fait spaghetti, qui est un béquet, parce qu'on aime un béquet, qui est petit client, qui t'a dit ça, qui travaille dans une entreprise, monsieur, qui étudie ingénieur en alimentaire, qui est allé à l'étranger, qui a étudié ça, parce qu'en Haïti, il y a ça. Mais ma République dominicaine, quoi, c'est qu'on n'y a pas implémenté, faculté ça. Bon, mesdames et messieurs, là, c'est définition. Là, agriculteurs qui sont agriculteurs, qui sont agriculteurs, bah, c'est pas très important pour n'avoir le définir qui sont agriculteurs. Et puis, agriculture qui s'allie, et puis, agriculture sous terre, bah, ça c'est très important. Agriculture sous terre, ou bien agroalimentaire, industrie alimentaire ou secteur de l'agroalimentaire, ça est très important. Agriculture sous terre, mesdames et messieurs, c'est français. Sous signifie ça veut dire en bas. Sous, ça veut dire en bas. Ça, c'est agriculture fait en bas terre. Quand ça veut dire plante, on va le planter. C'est en bas terre que tu vas planter. Patate, ça, c'est agriculture sous terre. C'est sous terre pour la patate. Patate, là, va grandir en l'été. Mais comme nous, là. Manioc, là, c'est en bas terre. Au moment où on projet pour faire manioc, pour faire usine de manioc, pour faire bon cassave, pour pouvoir exporter à l'étranger. Manioc là, sans battre, ça donne, ça c'est sous terre. Produits agricoles réalisés à l'intérieur d'une serre, par exemple, sous serre, et plutôt produits sous serre qui produisent, et sous serre, agriculture sous serre là, et c'est concombre. Nous, en Haïti, il y a un projet, ça, moi, avant d'implémenter le Konya, agriculture sous serre là. Nous, il y a une tomate, il y a hydroponique, qui produit ça, tout, là, dans les tout sous serre. Donc, il y a serre, c'est pas, nous, un petit cas, il a remetté à. Si quand vous mettez un peu de lait qui rentre là-dedans, mais le soleil n'a pas tellement qu'à bailler plantes, ça c'est agriculture sous serre là. Et puis agroalimentaire, tout, industrie alimentaire là, nous voyons là. Nous, c'est l'ensemble des activités industrielles, l'industrialisation. Donc on est en Haïti, il y a très peu de ça, c'est quelques mulâtres, quelques bourgeois qui n'ont pas ça, mais c'est un cheveux si haut qui a fait quelques petits produits. Haïti, il y a quelques petits produits. Haïti, tout produit, c'est importé, il n'y a pas importé. Là, c'est agro-industriel, l'agro-alimentaire, c'est lui-même qui va gagner en Haïti du tout. Par exemple, mangue, si vous voulez faire un jus mangue, là, c'est agro-alimentaire, c'est très important. Agro-business, c'est bien l'agro-alimentaire, incluant l'ensemble des entreprises industrielles qui approuvent le secteur agricole de produits, patati patata. Là, c'est ça veut dire, vous faites business avec produits ou biotechnologie agricole. C'est très important là. Par exemple, vous avez une pêche là dans tout, quand vous rentrez dans la pêche là, pêche là sont agro-business liés. Et puis, vous avez aquaculture là tout, vous avez culture de plantes aquatiques et élevage d'animaux vivants au milieu d'eau. Par exemple, vous avez une plante de cresson en Haïti. Cresson, c'est dans de l'eau salée. Par exemple, ce n'est pas un monde qui va tirer le cresson. Bon, là, quand il est bon, on ne connaît qu'en Haïti, si tout le monde connaît le cresson. On peut continuer à le cresson, parce que le cresson c'est dans de l'eau, ça y est, son aquaculture. Bah, on a épinard, sinon qu'à mettre l'eau, épinard forme bien de l'eau, mais pas mal de l'eau tout le temps. Bon, entre deux. On peut continuer à rigoler, parce que parfois, on a son petit rigole, mon nagain. Par exemple, la loi, on peut cultiver la loi prend de l'eau tout, il va prendre de l'eau tout le temps, on va mettre l'eau entre aquaculture, et puis, bah. Et c'est pas mon qui a fait un petit rigole, petit tête. Bah, il y a le fait. Parce qu'il faut laisser les gens qui ont fait gros projet. Faut laisser les gens qui ont fait gros projet. Là-dedans, c'est comme ça que nous voulons. C'est gros projet. OK? Très bien ça. Et puis là, nous passons dans. Nous expliquer EFRA, qui est aquaculture. Nous avons le BA, ou le bloc de production agricole, ou ferme associative. C'est ça que nous avons parlé avant. Par exemple, bloc de production, bah, c'est Mounio. Si vous voulez terrain avec mon yo à fond bloc de production au lieu de mon agonti un petit caté à faire ensemble nous font bloc de production nous font gros bagaille c'est ça ne tape pas l'avant pour être très clair nous le président Jovenel Moïse te font belle expérience avec mon la égo naïve dans plein nord mon gars dans affaire durée dans bloc de production ça vous coûte un pile bloc de production dans zone ça et puis connaissance des zones franches
personne physique ou morale ayant obtenu par concession de l'État le statut de zone franche. Là, il faut, bon, son papier, ça fait mieux, il faut aller DGI, son processus, pour faire étude, pour voir vraiment s'il a retrouvé les mettre zone franche là, s'il a adapté à ça, si on va le faire, parce que zone franche là, il y a une définition pas spécifiquement. Mesdames et messieurs, et puis là, nous gagnons coopérative agricole. C'est ça que nous avons expliqué avant, mesdames et messieurs. Coopérative agricole qui entreprend des activités de produits agricoles, avec du végétal ou animal. Donc, affaire en coopérative, commercialisation de produits agricoles ou de vente de services agricoles, dont les membres anticipent un avantage économique. C'est un regroupement de personnes, un groupe de personnes qui mettent tête ensemble, c'est ça que nous dit avant. Un groupe de personnes et non de capitaux pour être habilité à fonctionner, la coopérative agricole doit être agréée par le Conseil national des coopératives. Là, nous déjà connaissons le côté qu'on a le Conseil national des coopératives, c'est là qu'on a le plus agréé. Ça fait ce babaye au café dans la bouche. Sous les fonds coopératives, ça, on va pas faire dans la bouche. Là, il faut des gens qui pour mettre tête ensemble. Faut de Wale, faut Chitak Mounio, faut Bagay, faut des gars Pantè, qui a Pantè, qui fait des limitations, faut aller DGI, faut aller devant notaire, et puis faut aller devant Conseil national des coopératives pour agréer le pour. Et puis après, ou même, on doit dire, ou par contre, côté Conseil des coopératives là, et, bah, premièrement, écrit un bassin. Tu une fait première par eux, et puis après, n'a pas qui côté lié. Et puis, on dit crédit de campagne agricole. Crédit de campagne agricole, nous connaissons. Crédit de campagne agricole à 0%. BNDA. Que le président Jovenel Moïse mettait sous pied. On a prié, bon Dieu, pour que ça continue, mesdames et messieurs. D'accord? On a prié, bon Dieu, pour continuer. Crédit agricole à 0%. Il est affecté généralement aux opérations suivantes. Labour, labourer, et puis préparation des sols. Achat d'intrants, semences, engrais. Semences, engrais. Semences, engrais. Et puis, mesdames et messieurs, nous capables tout ça, on va le faire avec crédit agricole, ça. Mais ce crédit pour coopérer et pour campagne agricole, ça, mais il faut des coopératives. Si vous seul, on m'a répété là encore, si vous seul, ou gonti kater, pour tout parler de zone franche, non. Zone franche, pas faite sur carte. Attendez bien ça, me dit. Coopérative, ou pas qu'à faire coopérative pour contour. Coopérative, là, c'est plusieurs mondes, un regroupement de personnes qui mettent tête ensemble. Vous, Goncater, Pierre Goncater, Jacques Goncater, Jean Goncater, Ti Joseph Goncater, Ti Malice, Ti Bouki. Goncater, nous mettons ensemble. Les ça, nous venons faire coopérative. Nous venons cultiver un seul produit. Là, nous allons faire prêt. Nous allons samedi. Très bien. On va continuer, mesdames et messieurs. C'est très important. Et puis, pas oublier, abonnez à la chaîne YouTube, ça, qui sont chaînes d'information qui a informé sur les bagages que vous ne connaissez pas. Là, si vous avez un courrier Gmail, là, nous montrer comment vous ouvrir un courrier Gmail. L'autre semaine, nous allons voir comment vous ouvrir une chaîne YouTube, tout, nous allons informer. Très bien. Et puis, nous avons une culture hydroponique là. C'est bien cette technique culture au sol. C'est ça que nous t'expliquions avant. Par exemple, bon, hydroponique là, mesdames et messieurs, mais comment elle fonctionne? Si vous voulez planter épinards, épinards, on va mettre dans la terre directement. Ou quand vous prenez épinards, vous voulez faire épinards hydroponiques, non, on va prendre, on met dans la terre. Non, c'est pas comme ça le fait. Ou bien chaud, vous voulez faire chaud hydroponique là. Là qui fait dans de l'eau, mais vous mettez dans un petit vaisseau spécial. Et puis de l'eau à traiter. Et puis vous mettez produit dans de l'eau à tôt, en grain dans de l'eau, c'est de sa plante la nourrie. Mais hydroponique là qui a avantage de gain. Le plant est choua dans terre là, si tu prends 2 mois pour choua bon, bien 3 mois. Hydroponique là, dans 15 jours, il y a chaud. Vous voyez la différence là? Si vous avez chaud,
Ou plante chouna terre, là prend 2 mois. Pour le bon, au moins, il doit prendre le temps de vivre sous 15 jours de un chou. C'est différent ça, mesdames et messieurs. Et puis, donc, les cultures maraîchères, on en sait toujours. Légumes, c'est-à-dire fruits, c'est même bagage. Donc, une culture permanente ou pérenne, cultures qui ont un cycle de végétation de plusieurs années, à tirer d'exemple. Permanente ou pérenne. Par exemple, culture permanente, c'est culture qui se produit quand tu es dans toute saison. Pérenne, c'est ça, il y a des saisons oui, il y a des saisons non. Donc là, mesdames et messieurs, et puis on va remplir l'exemple là. Nous avons, par exemple, nous avons les plantations de café, bananes, des figues, bananes, grenades, et puis grenadia, et puis fruits de la passion, cacao. Nous avons tout ça. Et puis, nous avons embauche là. Si, engraissement est mis à l'élevage de certains types d'animaux pour la boucherie. Par exemple, nous avons une production cochon. Nous avons dit, ou engraissé lui avant pour vendre. Nous avons dit, c'est un petit projet, comme ça va être cochon, comme ça va devenir. Les gens qui ont regardé, qui ont tant d'informations, messieurs, dames, ça, on connaît, on était ouais, on était sorti dans la télévision avec le président Jovenel, qui était en pile prêt, il était fait rejoindre. Pour bah, ça, c'est plus aucun bela, production cochon, on était dans le palais national, on était pour un gros chien, on était fait, le président Jovenel par là, c'est pour nous comprendre ça, les gros bagages, c'est pour nous lier. Même si Vagabond a bloqué tout le pays, messieurs, dames, c'est quoi, bloqué pays, bah, ils ont. Fait mon pas circuler, mais nous-mêmes qui déjà eu une chance, ça c'est pour nous continuer. Et puis, entrepreneur agricole, personne physique, et on était défini l'avant, ou agriculteur, bon, ou agricole, c'est mon ça qui veut faire entrepreneur agricole. Exploitation agricole. Exploitation agricole, c'est lié à unité économique des productions agricoles. C'est une unité qu'on doit faire, genre, donc là, quand on a production là. Quand on a 10 000 carottes, 20 000 carottes à planter dans une zone franche, ou à qui côté malais. C'est ça, on a gros, monté dans gros, dans gros quantité. On dit utilisation des zones franches, personne physique ou morale habilitée à développer une activité à l'intérieur d'une zone franche. Voilà. Parce qu'on n'a pas le recevoir en pile visite. Voilà, on va faire zone franche là et pour quitter le Wallo, on va tourner, on va petit cousin Géril. On t'y gérer, ça va faire. Si tu vas vivre étranger, il faut qu'on nous ait fait un projet. Et... ou pas obligé là. Quotidiennement, si tu vas quitter le monde, il faut des gens qui habilitent, il faut des gens qui forment, parce que c'est l'argent. La banque prend le prêt, on ne va pas recevoir des visites. Il y a visité où? D'accord? Bon, et puis, nous avons un verger, bon, terrain de plus ou moins grand, constant planté d'arbres. Fruitier ou d'une de plusieurs variétés. Bon. Et puis, zone franche agricole, notoire du devant, et puis mécanisme de facilitation du crédit. Ça est très important. Comment BRH a facilité au crédit a? Ou bien, banque, quand on va le faire prêt, ou pour le parler, a, comment eux-mêmes, ils vont le mettre en contact, comment on va appliquer circulaire 113 là pour qu'il passe. Ça, mon dit, on va le banque Haïti va mettre mon l'argent. Tendez bien, ça me va lire. Les institutions financières qui auront approuvé, selon leur politique et procédure, une demande de crédit agricole telle que définie dans la présente circulaire seront éligibles au financement de la BRH pour le crédit. Ça veut dire, ce n'est pas toute institution, ce n'est pas toute banque qui peut être au COB à travers la circulaire 113 là, non, mesdames et messieurs. Tendez bien ça, dire. Les institutions financières qui auront approuvé, selon leur politique et procédure. Il y a des gens qui ont une politique et procédure, oui. Il n'y a pas toute banque. Il doit aller dans la banque là. Banque là, il n'y a pas prêter. Il n'y a pas appliqué pour le prêter mon cob pour le mettre dans l'agriculture, dans le pays. Ce n'est pas toute banque. Il n'y a pas de banque Haïti, banque privée, qui ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que là,
yo même quand banque ça yo même c'est dans casser couille quoi c'est un prêt trop là ou acheter 5 dollars 20 ou vendre et pour ben la gamme et puis moi même non semaine là pour me faire quoi c'est comme ça me voulait pendant la agriculture capable le faire capable prendre temps mon Haïti yo pendant pareil comme ça banque privée ou presque yo pendant pareil comme ça mesdames et messieurs yo pas voulu rentrer là-dedans parce que l'agriculture prend temps aux zones franches prend temps mon on va les prêter comparable tout pas les prêter comme on les rentrer là-dedans ça fait pays à bloquer pays à serrer yo pas les rentrer là-dedans puis on prêter comme pour acheter machine pour machine venir pour préparer terrain pour planter pour produire bon après pour faire transformation après pour vraiment se payer mon on prêter comme là jodia et puis s'attendre à 15 jours faut commencer bail faut payer yo prêter aujourd'hui à l'autre mois ou que t'en dois faut payer c'est comme ça fonctionne ouais enfin on parle tout qui est éligible qui pour prêter comme d'accord. Alors, et bon, il dit la BRH consentira à l'installation financière selon sa catégorie des avances en gouttes dont la durée pourrait être de court terme pour le financement des campagnes agricoles. De court terme, financement des campagnes agricoles. Campagnes agricoles, ça veut dire produire, planter pois, planter maïs. Moun ki nan planter maïs. Maïs, son bail court terme, maïs va prendre 3 ans pour le bon. Pas 3 ans, on fait que maïa. Vous plantez maïs jeudi, et puis la pluie tombe, elle grandit. Et puis, dans 3 mois là, si on attendait à maïs, vous commencez à bailler bon petit maïs, vous attendez à court terme. Ali, il va à long terme. Plantez pois, plantez maïs, plantez patates, sauvez-les. Il va à court terme. Alors, qu'on y a là, et 2 mois et terme. 2 mois et terme, de 1 an à 5 ans, pour financer les activités agricoles, des mises en place d'infrastructures de base nécessaires, bon fonctionnement des exploitations agricoles, l'acquisition d'équipements et des matériels agricoles, à hauteur de 1 an à 5 ans. Parce que là, faut faire toute l'installation, ça et plop, plop. Ouais, c'est très important. Il faut qu'on type de produits pour le planter à tous des court terme, c'est des moyens termes ou bien c'est des long terme. Pour long terme, au dos de plus de 5 ans. De pour plus de 5 ans, c'est long terme. Au dos, le financement des prêts aux projets agro-industriels des zones franches agricoles, de production agricole sous serre. Par exemple, sous serre, c'est long terme parce qu'il faut acheter. Et puis, mesdames et messieurs, c'est serre là, t'es calé, là. Moyen terme, oui, bon, vous mettez là long terme, mais moi, serre là plus moyen terme. Parce que production agricole sous serre, il va prendre 5 ans. Soit besoin de ces serres-là. Bon. En Haïti, je ne sais pas si vous fabriquez. Si vous ne fabriquez pas en Haïti, en Haïti, Haïtien presque pas rien. Pardon si je dis ça. C'est la vérité. Ou bien si Haïtien commence à faire des bagages, il y a d'autres Haïtiens qui veulent brûler. Lui, on a des ça. Les gens qui veulent brûler pour moi, même quand je dis même qui est le monde qui veut brûler. Et puis, la produit sous serre, produit agricole sous serre, il y a des camétés à moyen terme. C'est très bien que là, à long terme, ou même, quand on commence, qui pour qu'on connaisse bien, pour qu'on ait pile de temps, pour qu'on ait suffisamment de temps, pour qu'on fasse ce qu'on va faire. Ok, mesdames et messieurs, on va continuer là. Et puis, nous avons d'agriculture hydroponique, de développement, des vergers, de culture. Là, c'est pile, bon, pour préparer du sol, là, pour préparer le terrain, ça prend pile de temps. Pour acheter machine, pour préparer terrain, pour faire installation, forage des puits, pour faire toute installation net, parce que ça prend un bon petit temps avant pour commencer. Chaque fois, vous mettez moins d'un an coût terme pour le financement des campagnes agricoles, tout simplement, campagne agricole, moins d'un an, et puis vous mettez coût terme de 1 an à 5 ans, pour coût terme, et puis long terme de 5 ans et plus. Là où même qui connaît pas du le faire, dans combien de temps, il faut faire calcul, dans combien de temps, mais là. Je vais expliquer notre très bien. Dans combien de temps on va préparer le sol là? On finit de faire tout le processus sur net, tout le processus du terrain. On finit le terrain, on parle de notre temps, on parle avec les gens, on est d'accord, on réunit, on chite en papier bois avec eux, on mange avec eux, on est d'accord, on convainc eux. Et puis, à Pantin, vite fait un partage, combien de carreaux de terre, qui est-ce qui pourrait le planter, où aller notre terre, il y a une bonne certification, et puis on aller dans le conseil des coopératives agricoles, et puis on va où? Ou bien si vous avez des zones franches, vous allez approuver vos zones franches. Vous faites tout ça, et puis vous allez pouvoir appliquer la circulaire 113, là, vous finissez tout ça. Et puis vous allez pour crédit pour développer comme là.
Mais comment comme la débloquer? Je vais pas tout million en seul jour, non, mesdames et messieurs. C'est vous-même qui vont commencer à l'avancer, et puis comme la et vous comme au fur et à mesure, on va avancer, on va développer le projet. Et puis on va recevoir des visites. Ok, d'accord. Voilà, nous, ouais, ça nous dit. Volume de crédit. Combien de crédits au Cabo? Combien de COP au Cabreto à Haïti? Mesdames et messieurs. Ou même qui a Haïti, combien de COP y a prêté là? Si vous voulez prêter COP, combien de COP y a prêté? BRH dit ne doit pas dépasser l'équivalent à 4 millions de dollars américains, mesdames et messieurs. Donc, il y a un nom, oui. Nous avons combien de quantité qui est plus gros COP y a prêté? Crédit n'a pas dépassé 4 millions de dollars. Avec nous, quand on prend en Haïti là, si vous faites tout, si tout bas y a réuni 4 millions de dollars là, qu'a prêté. Banque Haïti qui a pris 4 millions de dollars là pour développer un gros projet, mesdames et messieurs. Ou même qui est dans la diaspora, qui connaît, qui ouais, ma pas là quand même qui est Haïti, pour qu'il a ici une grosse idée, qui a un gros projet. Ma pas là avec nous. Mettez tête nous ensemble pour nous faire projet. Oh. Parce que là, nous avons près de 4 millions de dollars. Ou font projet de coûts, font près de plus 4 millions de dollars. On va faire plus vite, on va faire 100 000, on va faire 50 000, on va faire 20 000 dollars américains. Dépendamment de qui bonjour, on va le faire, mesdames et messieurs. Mais là, il y a près de 4 millions de dollars américains là. Ou dormir et puis demain, on a 4 millions de dollars américains disponibles. On va prendre là pour faire des passions. Nous là, mesdames et messieurs. Très bien. Et puis, il demeure entendu, les institutions financières doivent respecter en tout temps les ratios prudentiels. Ça, son étude bancaire à son bail, la banque. Yodou, les avances de la BRH pour le financement des crédits de campagne de production agricole se feront sur une base des portefeuilles dont le montant sera de 1 million de gourdes par avance. Nous l'avons, mesdames et messieurs. Par avance, il y a baou 1 million de gourdes. Ça veut dire là, l'arrivée, il y aura un loge aux abdos. On a 4 millions de dollars alors qu'à Gael, mais à Balbaoul, de 1 million de gouttes pour avancer. 1 million de gouttes pour avancer. C'est comme ça la fête. Alors, mesdames et messieurs, nous commençons avec une idée ou même qui a crasé tête ou qui va comme ça pour faire, comment ça le chita avec Mounio, pas là avec Mounio. Pour mettre projet à camper, pour nous faire projet. C'est ça qui circule à 113. Là, il y a tout circule à 113 VRH, là, c'est pour l'autre bagaille liée. Là, nous gagnons le clair en créole, il n'est pas en français. Nous, elle est en français tout simplement parce que vous faites pour nous. Nous, on ne peut pas nous faire. Il est pour tout qu'on y a. Et donc, pour le financement des projets à long terme, l'institution financière devrait soumettre à la BRH des documents de projet sur lesquels elle s'est appuyée pour approuver la demande de crédit. Là, il faut qu'un pied assez samedi d'où là. Si vous voulez faire un projet, par exemple, de long terme. Par exemple, vous avez gagné. Combien de carreaux de terre vous avez gagné là? Vous avez 800 carreaux de terre à la disposition. Vous pouvez faire un projet. Ça veut dire, là, on dit, pour le projet, il faut soumettre à la BRH des documents de projet. Mesdames et messieurs, on a dit, ou gen 800 carreaux de terre, nous pral planter, par exemple, nous pral planter mango là dans yo, sur 800 carreaux de terre, parce que mango ça a long terme, et puis nous pral un bout de papier. Là, m'a montré comment pour monter pour le genre là. C'est avec circulaire 113 là pour monter, point par point, l'arrivée pour qu'à approuver, sinon, on bout haïtien, si tout se saute loin, 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 il ne doit pas vouloir approuver, mesdames et messieurs. OK? Il faut un papier dans le mot. Papier délimitation de 800 carreaux de terre, ou bien. Et puis, papier a dit sur 800 carreaux de terre, combien de pieds manquent pour planter? Il faut qu'on agronome qui dit distance pieds manquent l'un par rapport à l'autre. Qui distance doit gagner l'un par rapport à l'autre. Nous sommes là. Il faut bien définir. Avant pour aller, premièrement, on va faire des matchs terrain, on va aller chez Takmounio,
comment on va le faire pour capable mettre 840 ensemble, mon qui quitte papier caille, quitte planer papier caille Jacques, faut là prendre papier caille Jacques, faut le bon copie ici l'autre bon pour faire son gros son fort gain temps fort remel comme là là, mais c'est temps pour gagner, prendre temps pour faire projet ou bien et puis pour capable approuver. Et puis, au tir, les institutions financières doivent s'assurer que les exploitations agricoles disposent des infrastructures de base nécessaires à la production avant d'exécuter le financement de toute campagne de production. Par conséquent, le premier refinancement pour lequel un entrepreneur agricole au sein de la présente circulaire ou un agriculteur sera éligible dans le cadre de ce mécanisme des facilitations sera obligatoirement destinée à l'installation des infrastructures de base, forage des puits pour l'irrigation, faut qu'à fouiller puits, ça fait dans une zone que tu peux bien te prendre. Par exemple, savane désolée. Si tu veux planter épinards dans savane désolée, mesdames et messieurs, pas prêt au cobla. Nous devons même se connaître qui zone en Haïti qui sèche, qui pas rien de l'eau, fait nous connaître. Si tu veux planter épinards dans savane désolée. Ou ka pre to li ou ka fe lou, te ba di mdou ba ka fe. Ou ka pren dlo, ka menen dlo, a sa ven de zoli. Ou ka fe foraj la tou osi fon, bakon ou ka fel, men ap difisil pou yo pre to li. Komprende sa mdi a, mesdames et messieurs. De sistem di irrigasyon, de espas de kondisyonman, ou de stokaj de denri, ou ka ou sel si n'existe pa ankor, l'entrepreneur devra alors bénéficier d'une période de grâce avant de remboursement d'une durée à déterminer. Sous vos regards, il y a une bonne période de grâce, mesdames et messieurs. C'est très important. Une belle circulaire. Une belle circulaire. Une bonne période de grâce pour capable installer et pour commencer à produire. Et puis avant, pour commencer à bailler remboursement. Sou pa gen yo ditou. Gen moun ki gen kop, ki fe avans, ki gen tan mette des infrastruktur, moun sa yo, yo men mi avans, men moun men sou pa gen yo ditou. Ou vle fe la ou kon peryote de glas, avan ou komanse a bay rambousseman. Yo di modalite de participasyon se lè ou le kategori destitusyon finanse, sa se pou bank yo. Bank e asosye finansyer de devlopman. Asosye finansyer de devlopman. Les banques et associés financiers de développement sont éligibles aux avances selon les conditions surmentionnées pour le prêt à moyen et long terme destiné au financement de l'offre des services agricoles aux entreprises agro-industrielles ou de projets visant. L'établissement des zones franches agricoles, banque, il faut y aller visiter. C'est là, si vous voulez planter épine dans sa vanne, désolé. Ou vla de l'autre kre son savane, désolé, la difficile ou yon ba oul. Fwa identifiye zon. La production agricole sous serre ou en sol. Nou te pre exemple sous serre, nou gen produit sous serre yo, mais tomate ou kafe tomate sous serre, ou kafe concombre sous serre, nou te pre ou en sol, produit hydroponique yo. Ou gen le développement des verges ou des cultures, pérenne, là, nous te montrons avant, l'élevage industriel, par exemple, poule. On poulaille. La mise en place d'entreprises agricoles de moyen et long terme. Là, il y a banque, là, c'est sa banque qui va réviser. Institution financière, là, qui a agréé pour prêter cob, là. À travers circulation 13 ans, c'est ça, loin, loin. Et puis, pour BNC, c'est capable d'approuver, quand dit banque, ça, on connaît. Parce que c'est BNC, c'est lui-même qui, censé, qui garant. Qui dit, ah, prêtez, monsieur, cob, là. Projet, monsieur, présenté pour mettre prêté, monsieur, comme là. En cas où, moi-même, m'a répondu pour monsieur. Mais BNC lui-même, il a besoin de toute garantie, ça, lui-même. BRH. Et puis, le taux d'intérêt annuel des avances de la BRH sera compris entre 1 à 2% à la date de leur octroi et sera maintenu pendant toute la durée dédiée. Ah, avance. Ah, mesdames et messieurs, très important. Très, très important. Très, très important, là.
DBRH dit, bah, monsieur Kobla, c'est à 1% ou à 2% après tout Kobla. L'an. Par exemple, si vous avez 100 gouttes, nous avons 101 gouttes. Dans le moment de décaissement, dans l'avance, vous avez 101 gouttes ou vous avez 102 gouttes. L'an. Parce que là, il dit annuel, chaque année. Nous l'avons, mesdames et messieurs. L'an. C'est très important. Et ça fait, monsieur Damaïti, vous ne pouvez pas rentrer dans la bagage, la banque privée, vous ne pouvez presque pas rentrer dans la circulaire centrale. Ça. Quand vous avez 100 gouttes, là, non, vous n'avez pas de gouttes. Vous avez tout bourgeois, vous avez le riche sous dos. C'est vous-même qui êtes riche, vous-même qui êtes pauvre. Vous-même, vous ne pouvez pas rentrer dans la logique. La circulaire centrale, ça fait toute banque, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Nous, samedi noir, ça fait l'intéressant. Yo bon comme la jodia, jodia qui c'est 8 septembre 2021, qui a fait vidéo d'information ça pour vous. Yo bon comme là, et puis, ou gagne 8 septembre 2022. Ou voilà, premier avance intérêt. Intérêt, c'est déjà 1% à 2%, mesdames et messieurs. Intéressant. Intéressant, mesdames et messieurs. Et puis, et Société Financière et Développement, Société Financière et Développement utilise les avances de la BRH pour financer les activités agricoles de moyen et long terme à des taux ne dépassent pas 6%. L'an, très important. Tenez bien, ça m'a dit là. Par exemple, BRH, by avance, là, à banque, là, à institution financière. Et puis, banque d'institution financière, ça lui-même, il a prêté au lit. Et banque et société financière, ça eux-mêmes, il y a pas le bas au lieu même à 6%. Taux intérêt n'a pas qu'à dépasser 6% là, mesdames et messieurs. Là, après ton compte, pour avoir mettre plus de 6% là-dedans. Là, c'est banque qui va le prêter au lit, ou bien institution financière, ou bien association financière, pas qu'on est. Coopérative, là, banque, là, pas qu'on est, ça qui est éligible à côté, mais on va le prêter comme là. Il n'y a pas qu'à tout le bas au à 10% là, ça va exister. À 20% là, j'ai qu'on a fait l'Haïti, ça va exister. Il y a 20% là, 20% chaque mois, qu'on a fait. Là, c'est là qu'on parle chaque année. C'est pas chaque semaine, c'est chaque année qu'on parle. Comprenez bien. Et près de court terme, ou de crédit agricole de campagne, les banques et les sociétés financières prêts, peuvent utiliser les avances de la BRH pour financer directement tout près des campagnes agricoles. Donc, à utiliser l'avance BRH là à tout près des campagnes agricoles, mesdames et messieurs. C'est très important, ça nous dit là. Si vous ne comprenez pas, écrivez-nous, dites-nous pas comprendre, n'a pas comprendre. Et puis tout, c'est bien 500 000 gouttes. 500 000 gouttes pour les gens qui ont affaire campagne agricole. Nous là, mesdames et messieurs, c'est très important. C'est très important. Je dis, bon, ça, là, ça peut être l'explication que nous avons 15% là. Je dis, l'application des taux d'intérêt ne dépasse pas 15% là au crédit des campagnes agricoles. Le respect des autres termes de conditions à la présente circulaire. Alors, on est capable de prêter comme pour planter patates, pour planter maïs. Cela lui-même, ça coûte, on va le planter là. Si on ne va pas agricole, on va le faire. Nous, samedi, si on ne va pas agricole, on va le faire. Là, on va le prêter au taux d'intérêt, on va dépasser 15%. Là, on va prêter qui banque qui a prêté au lit là. Nous, là, mesdames et messieurs. Et puis, le taux d'intérêt qui sera chargé par la BRH aux banques, aux sociétés financières, dans le cadre des financements
ne dépassera pas 4% là. BRH pas près 4% là, dans mes banques ça. Parce que c'est là, ils ont toujours crasé nous prêter fiel nous. C'est dans le bagaille. Et c'est dans le bagaille là, ça, combien de copes intérêts ça. C'est là où tu vas prêter fiel nous. Alors, l'État coopératif de paille et de crédit peuvent également obtenir de la BRH. Ça n'a pas tellement pour nous, c'est notre monde coopératif et coopératif de paille. De crédit à mon qui n'en bas et coopérative que font causer complexe, bah comment. C'est eux même capable de prouver crédit ça à vous. Peuvent également obtenir de la BRH des avances qu'elles affecteront au refinancement des crédits des campagnes allouées spécifiquement aux agriculteurs, aux entrepreneurs agricoles. Dans ce cas, les avances de la BRH aux coopératives de paille de crédit seront sur une base de portefeuille et montant minimum, chaque avance sera 1 million de gouttes. Ça veut dire là, nous avons ça déjà. Avance lancée, avance 1 million de gouttes, je t'en nous avons ça. Et puis, ton intérêt, on va le payer. Dans le moment, avance là, t'as des biens. Que institution financière ça a payé à BRH là il y a entre 1% à 2%. Ça veut dire l'on après de comme la banque là mesdames et messieurs. Banque ça BRH a prouvé. C'est à lui même c'est prêt prête le même BRH oui pour le prêter lui. Comme c'est lui même qui a contact avant. C'est pas BRH. BRH dit me prête à 1% ou à 2%. Mais BRH nous va pas le prêter mon comme là comme on jongle. Alors taux d'intérêt qu'a prêté mon il ne doit pas dépasser 12% là pour eux-mêmes. Nous là, c'est ça lié, oui. Société de crédit de bail. Ok, mesdames et messieurs, on va avancer. La société de crédit de bail ou leasing peuvent spécifiquement intervenir dans le financement d'acquisition d'équipements et de matériel agricole de moyen terme sans dépasser 5 ans. Ou même qu'on zone franche, ou Maragon nèg là ou dit ou fait commande machine pour lui par exemple. Tout bail président Jovenel te commande te fait commande pour caravane changement. Vous avez ces boulos qui te fait commande yo. Les pour bail ça ou te bail. Te gen bouche longue. C'est ça que fait ça fait ti reste vini, ti reste pour peuple parce que nèg yo te veut quoi ti reste là. Alors c'est là de vouloir vivre ensemble avec vous. Il va dépasser 5 ans, on n'a pas dit, on va acheter une machine en Chine, on va acheter au bout, bam, comme là, et puis on va prendre 5 ans, non. Il va donner tout ça. Les avances de la BRH aux sociétés de crédit de bail se feront à un taux d'intérêt de 5% et seront utilisées pour financer des prêts sans dépasser de 12%. Il n'est pas capable d'acheter une machine à l'étranger, équipement, ça va être 12% pour eux. Comprenez bien. Compte tenu de l'importance en cours. Attentive, attentive, ça a aussi explication. Alors, mesdames et messieurs, en gros, mode d'utilisation de refinancement des crédits des campagnes agricoles. Bon, bon refinancement là, des campagnes, des produits agricoles. Ça veut dire que bon, on avance, vous voulez financer ou encore, vous voulez prêter prise, vous êtes capable de refinancer. Vous avez des 1 million de gouttes d'avance. Là, vous avez un bagage, vous avez un salier, ça va tellement important. Le financement, vous avez un compagnie parce que vous avez fait le premier financement, vous avez un bail. C'est un refinancement avec vous. Bon. Au thème du trimestre, ça c'est trimestre, Jean Yabraldo, trimestre. Depuis fin approuvé ou pendant le travail trimestre. De 31 mars à 31 juin, 31 septembre et 31 décembre, trimestre, Jean BRH a visité au rapport. Pour bailler rapport, il a pas visité, il a fait des rapports, ça m'a avec vous. Ça a été trimestre, chaque trimestre. Un trimestre, c'est chaque 3 mois, mesdames et messieurs. Encadré dans le respect des dispositions de la présente circulaire, des institutions financières s'exposent aux pénalisations suivantes.
Il a pénalisé les institutions financières. Il a dit que les gens ont l'argent eux-mêmes. Avant le travail là. Et bien, si on ne pas les respecter, eux-mêmes, ils pénalisent tout. Une pénalité de 10%, mesdames et messieurs, de différence. Si vous ne respectez pas, sortez de dire, bon, une pénalité de 10%. Il faut respecter le mot. Parce que les banques ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Si vous êtes haïtien comme là, haïtien ne peut pas mettre comme là. Haïtien ne peut pas comme là. Ces pénalités, ça, si vous ne pouvez pas. Parfois, nous quittons la date passée, nous ne pouvons pas le payer, alors que les pénalités. Très important. Tout état de la production du rapport mentionné au point 6 de la présente circulaire sera sanctionné par une pénalité de 50 000 gouttes par jour aux institutions financières, mesdames et messieurs. 50 000 gouttes par jour. Ça fait parfois, vous allez rentrer, vous allez dans la fac haïtienne. Ah, c'est vrai, banque, vous allez rentrer parce que. Si vous ne pas respecter vous-même, envers vous-même, vous ne pouvez pas respecter la DRH, il y a une pénalité de 10% qui est privée à 50 000 gouttes chaque jour. Vous voyez ça, nous-mêmes, nous faisons très crédible, tout, c'est pour nous garder très bien. Qui s'en a fait, ça fait pour nous des comptables, pour nous qui connaissent, mesdames et messieurs, qui vous aider nous dans le projet. Comptables, pour nous qui connaissent, qui vous fait numéro pour nous, qui vous connaît qui est pour nous payer, pour nous payer à temps. Alors, circulaire, ça a remis en vigueur depuis 2018, mesdames et messieurs. Alors là, depuis 2018, nous là, là, on a dit président Jovenel Moïse, merci pour ça. Par exemple, 2018, 2019, 2020, 2021. C'est président Jovenel, depuis le Moutia, c'est lui-même qui mettait la marche. Merci pour circuler ça. Et puis, mesdames et messieurs, c'est très important. Nouveau crédit agricole et agro-industriel approuvé ou décaissé, bon contrôle. Date ou point là, au telle date, décaissement fait là. De telle date à telle date. Et ça me dédouble. Je mettais là, avancé, ce n'est pas 1 million de gouttes. Baron Soula. Sous les yeux, je vois quoi, c'est après tout. Si y a passé 4 millions de dollars, nous allons 4 millions de dollars, nous allons prendre tout. Il n'y a pas beaucoup 4 millions de dollars en seul coup. Bah, on va aller sur la machine et vous mettez 4 millions de dollars. C'est pas comme ça le fait. C'est pas avance. Alors, date yoba ou là, à telle date, à cette date-là, oui. On va faire des questions, oui. Il va prouver. Sur le million de dollars, qui date va commencer? Et puis, qui date à fin bas ou lui? Et puis, contrôle là. Nom du client, montant approuvé, montant décaissé, date de caissement, taux d'intérêt à payer, durée, de prêt. Je vais vous dire, bon, nom du client, Joseph, je vais l'aimer Joseph, nom c'est Joseph. Ou bien Joseph, oui, Joseph. Je vais l'aimer Joseph. Il va le prêter 2 millions de gouttes. De caissement, m'a commencé. À combien m'a commencé? M'a pris 100 000 gouttes. Date, m'a pris 100 000 gouttes là. Et taux d'intérêt, m'a pris le payer sous 100 000 gouttes ça. Et puis, durée. Pour combien de temps? Ainsi de suite, je suis venu faire des caissements ensemble avec vous. Situation du portefeuille de crédit agricole et agro-industriel, mesdames et messieurs. C'est même bagage. Situation. Du portefeuille de crédit agricole et d'agro-industriel. C'est même bagage. Nom du client. Localisation, département ou commune, dans qui zone ou qui côté. Zone franchement, à qui côté ou ou même. Nombre d'hectares de terre. Nous avons dit ça déjà. Cas de production agricole. En cas de production agricole au sol. Nombre d'hectares. Faut de gros terre. Faut de gros notaires. Faut de bagage bien classé. Sinon, il n'y a pas prêt au cop. La banque n'a pas prêté mon cop, pas prêté malheureux au cop. Mais ce n'est pas malheureux, il n'y a pas prêté cop. La banque n'a pas prêté mon qui pas connaît cop, mon qui connaît, qui respecte le cycle de santé, ça a prêté au lit. Nombre d'employés, il bien, faut qu'on combien d'employés, afin de faire un comptable. Nombre d'employés, il besoin, il y a gain. Dieu initial du crédit. En cours, ou solde du crédit
Et puis, qualité du crédit, mesdames et messieurs. Là, vous venez, vous allez demander. Ça, là, c'est finalisation et puis signature de deux cadres autorisés. Deux cadres autorisés, bon, puis signer, et puis sortant des arbres. Bon. La pré-signature. Mesdames et messieurs, si vous 113 là, m'expliquez-nous qu'on y a des Français à créole, nous lis ensemble, et puis nous tendez, mesdames et messieurs. Là, nous croyons qu'il était très clair pour nous. Nous-mêmes, ça n'a fait là, c'est abonner à la chaîne YouTube, ça, qui nous crée pour ça même. Si vous avez quelque chose à faire pour nous, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Sur la chaîne YouTube, ça n'a pas joué. Restez connectés, mesdames et messieurs. Et puis, nous avons expliqué nous tout le bagage. Et puis, si vous avez une question, posez une question. Si nous-mêmes, nous avons Lili, nous avons Lili, elle est sur le site BRH, là, nous avons Lili. Si vous avez une question, posez une question. Nous avons pour lui, nous avons expliqué lui. C'était Chanel là pour expliquer nous 100% haïtiens. Abonnez, mesdames et messieurs. Abonnez.